Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais. Bon, c'est super. Je suis très content d'être là. C'est mon premier Paris Jog. Vous êtes plein. C'est bien. Nous, on fait des jogs dans le sud. Quand on a 30 personnes, on est content. Non, mais c'est vrai. C'est... Je suis très content de vous voir aussi nombreux chez Renault Digital. Slash numérique, je sais pas. Alors, ce soir, on va vous parler de Keycloak. Je vais vous parler de Keycloak, de la sécurité. Avant ça, je vous présente très rapidement. Je suis Sébastien Blanc. Je travaille chez Red Hat depuis bientôt 7 ans maintenant. Et si vous voulez voir mes trolls, surtout sur l'agile. C'est bon, je vais lancer. Suivez ce compte et en plus ça vous permet de jouer au jeu. Donc ça se sépare en deux parties ce soir. On va commencer, je vais vous faire un peu la big picture de ce que c'est Keycloak. On va rentrer doucement dans les détails. Et après la pause, on ira faire un peu plus, pour faire style, on fera de la sécurité avec les microservices. Ok. Donc c'est parti. Je reçois. Ah ouais, déjà il y a plein de gens qui mentionnent, j'entends mon téléphone. Alors, la sécurité. vous êtes courageux de venir là parce que je vais vous parler de sécurité. C'est pas le sujet le plus passionnant. C'est pas ce que les développeurs préfèrent. Enfin, surtout les développeurs middleware. C'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent. Hein. C'est en général, tu fais ton projet, si t'es en agile, au dernier sprint, le product manager était. Vous avez pensé à faire la gestion d'identité, le login et tout? Ah ouais, tout. Et les gars, ils vont vite fait à l'arrache, faire un petit écran de login, mettre les mots de passe en clair et tout. Voilà. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de déléguer votre sécurité. C'est ce qu'elle fait Kim. Kim, elle délègue sa sécurité à ce monsieur-là, qui on a pas envie d'embêter. Je crois qu'il s'est fait virer depuis le problème à Paris. Mais bon, bref, à l'époque, elle a délégué la sécurité à lui. Donc, on va d'abord voir pourquoi on voudrait déléguer sa sécurité. Okay. Et quand je parle de sécurité, on va parler du point d'entrée de la sécurité, c'est-à-dire l'authentification. C'est-à-dire, je suis un utilisateur, j'arrive sur une application, un service, il faut que je m'authentifie. Alors, tout d'abord, on n'a pas envie de se répéter. Donc, imaginez que vous faites la sécurité vous-même. Donc, comme je vous ai dit, vous allez faire ça au dernier moment. Vous allez d'abord faire tout ce qui est partie front-end. Donc, vous allez créer votre écran de login. Ah oui, mais il y a des nouveaux utilisateurs, donc il faut aussi faire un écran d'enregistrement pour les nouveaux utilisateurs. Registration form. On veut sûrement que les utilisateurs puissent aussi gérer leur profil, donc changer leur mot de passe, mettre à jour leur email, des choses comme ça. Okay, ça, c'est une partie. Puis, il y a toute la partie back-end. Il va falloir vérifier les mots de passe qu'on reçoit. Il va falloir stocker les utilisateurs. Il va falloir stocker les mots de passe. Comment vous allez stocker les mots de passe? En clair? Vous rigolez, mais... Ça arrive plus souvent que vous pensez. OK. Mais bref, il va falloir que vous implémentiez tout ça. Ça va polluer votre business code, vos bases de données. Il va falloir des tables utilisateurs, des tables password et tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir relier le front et le back. Donc, faire un flow sécurisé, que quand l'utilisateur se log, ça aille bien dans le back-end et qu'il y ait des vérifications et tout ça. Vous mettez tout ça dans votre projet, vous faites votre petite sauce, peut-être vous allez utiliser des librairies existantes, genre Spring Security ou Shiro, je ne sais pas. Vous prenez tout ça et hop, vous mettez ça en prod. Et puis, vous vous déployez en prod et vous attaquez le projet numéro 2. Et là, vous dites, ah, voilà, mais il va falloir le refaire. Oh là là. Et le projet 1, il était peut-être en Java. Et le projet 2, votre PM, il a dit, allez, on va faire du Node.js. Maintenant, c'est en Node.js. Donc, tout ce que vous avez fait là, la partie back, vous pouvez oublier, il va falloir refaire. Et ça se répète. Projet 3, il est en Go. Projet 4, il est en, je sais pas moi, en PHP. Soyons fous. Et il faut que vous répétiez. OK, donc,
Ça, c'est une des principales raisons que vous ne voulez pas faire tout ça vous-même. Vous voulez déléguer tout ça. La deuxième raison, c'est que vous n'êtes pas un expert en sécurité. Il y en aura toujours un dans l'équipe qui fait « Ah ouais, moi j'ai le super algo pour crypter, nanana. » Il est super malin, c'est souvent le gars toxique de l'équipe d'ailleurs. Qui a son algo, qui craint pas et tout. Non, laissez tomber. Juste une petite recherche qui avait été faite à l'université en Allemagne. Ils avaient demandé à 43 freelances, donc pas des étudiants, hein, des pros, d'implémenter un système de login. Et ben, y en a quand même 26, donc plus de la moitié, qui ont implémenté ça en corrigeant ça en stockant le mot de passe en plain text, en texte clair. Alors ça, j'adore cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez suivi. C'était il y a un an et demi, je pense. C'est quelqu'un sur Twitter qui avait eu un problème avec un Autrichien qui avait son téléphone chez T-Mobile Austria et il a un problème, je ne me rappelle plus les détails du problème. Bref, il appelle le service client et le service client il fait « Oui, votre mot de passe finit bien en nananinana ». Il dit « Mais vous avez accès à mon mot de passe ?»« Oui, mais que les 5 derniers caractères, enfin les 4 derniers caractères ». Et il a fait « Oui, non, non, mais ça veut dire que vous ne cryptez pas, que c'est n'importe quoi. » Donc il y a toute une discussion qui se passe. Et le community manager de T-Mobile, il était assez arrogant. Il se la pétait un petit peu et tout. Et il se tweet très connu, il fait… parce que lui, il fait « Moi, je me fais du souci et tout. » Et lui, le community manager, il fait « What if it doesn't happen because our security… » It's amazingly good. 30 minutes après ce tweet. Ça, c'est le site de T-Mobile Austria. Parce que j'ai attaqué avec une attaque XSS. Vous avez mis le contenu du tweet. Ok, donc même les plus grands, enfin T-Mobile Austria, c'est quand même pas n'importe quoi, se font avoir. Donc, encore une fois, pour mieux déléguer sa sécurité à une plateforme, une solution qui connaît toutes les failles, qui se met à jour, plutôt que essayer de faire soi-même. Et ça, c'est juste, je l'ai rajouté ce matin parce que la semaine dernière, j'étais à DevFest Toulouse et j'ai rencontré Mathieu, qui est très sympa d'ailleurs, il utilise beaucoup GitHub et lui, il s'amuse à chercher les failles chez tout le monde. Et chez Pôle emploi, il s'est rendu compte que eux, c'était pas mal. Ils utilisent du OpenID Connect, je vous en parlais un petit peu après. Mais ils utilisent le mauvais flow, ils utilisent le implicit flow. Ça veut dire qu'une fois que l'utilisateur se log, la réponse du serveur, le token qui contient toutes les infos, mais vraiment toutes les infos sur celui qui est inscrit chez Pôle emploi, est dans l'URL. Et Pôle emploi, ils ont fait « Oui, mais on a utilisé un hashtag, donc c'est pas passé côté serveur. » C'est vrai. Sauf qu'ils font beaucoup de monitoring et du suivi de trafic. Et ils envoient ça à City, je crois, un service qui s'appelle City. Ils renvoient cette URL qui va remplacer le hashtag par un important. Donc du coup, il y a tout le token qui passe. Et ce service, il est hosté chez Amazon. C'est-à-dire que tous les gens de Pôle emploi qui se loguent, ben Amazon a accès à toutes leurs données. Okay, donc même quand vous utilisez des protocoles modernes, genre OpenID Connect, on peut quand même se faire avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut déléguer sa sécurité. Alors là, j'ai un slide très chiant. Ne vous inquiétez pas, j'en ai un beaucoup plus marrant juste après. En gros, ce qu'on va dire, c'est que quand l'utilisateur il veut accéder à son application, on va passer par un serveur de gestion d'identité, dans ce cas-là, GitLock, qui va gérer tout ça pour nous. Notre application ne saura jamais nos mots de passe, notre nom d'utilisateur. C'est GitLock qui va gérer tout ça et qui va nous retourner un token qui contient toute cette information. Alors, j'espère que c'est là. Ok. J'ai pas envie de vous embêter avec des protocoles ce soir parce que c'est franchement c'est pas passionnant.
Sachez que KeyClock supporte OpenID Connect. C'est un peu le protocole qu'on pousse en avant. Mais pour être honnête, un des protocoles les plus utilisés encore de nos jours, c'est SAML. Alors SAML, c'est horrible. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait. C'est du web service, les XML. Enfin, je n'ai même pas envie de vous en parler. Mais on le supporte. OpenID Connect, c'est une surcouche de OAuth 2. On dit OAuth 2 en français? OAuth 2. Je ne sais même pas le dire en anglais, donc en français, je OAuth 2. OAuth 2, c'est même pas un protocole. OAuth 2, c'est un framework qui décrit la délégation d'autorisation. Donc, en gros, c'est quand vous vous connectez à une appli, à un jeu sur votre mobile et vous connectez par Facebook. Là, il y a le flow OAuth 2 qui se met en route. Mais il n'y a aucune notion de gestion d'identité dans OAuth 2. Et le protocole d'authentification n'est pas vraiment décrit. Et OpenID Connect vient là par-dessus pour combler ce déficit et définir un vrai protocole d'authentification. On ne rentre pas dans les détails parce que si vous utilisez KeyClock, bon, c'est bien de savoir un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé de savoir tous les détails parce que KeyClock gère tout ça pour vous. Ah, le slide est rigolo. Alors, ça c'est un slide pour expliquer un peu comment KeyClock fonctionne. KeyClock, on lui donne un territoire, un royaume. Un royaume, en anglais. Et dans ce royaume, il y a différentes applications qu'on lui demande de sécuriser. Donc moi, j'ai pris comme exemple cette île. Et sur cette île, il y a différentes villes. Au nord, il y a JEE Land. Plus personne n'a envie d'aller là-bas. Ça fait un petit peu peur. On a Angerland. Alors là, c'est The Place to Be. C'est la station balnéaire. Tout le monde va là-bas. On a Microservice Island. C'est pas trop ce qui se passe là. Et bien sûr, on a les rois du monde au milieu. Node.js Land. Ok. Et moi, j'arrive avec mon petit bateau là. Et je navigue vers AngularLand. Donc vraiment, j'ouvre une application web et je navigue vers mon application web. Et j'arrive là. Et là, on me dit, attention, Seb, tu n'es pas authentifié. S'il te plaît, va à l'île de KeyClock pour t'authentifier. Et on me redirige vers l'île de KeyClock, cette petite île-là, le gros cactus. Et je me prends vraiment en redirect. Je me prends vraiment HTTP redirect qui me retourne vers... qui me redirige vers KeyClock. Et là, je me retrouve sur KeyClock, mon serveur d'authentification. Là, je mets mon username, mon password, et si tout va bien, tac, j'ai un tampon, et je peux retourner sur mon île, visiter un peu toutes les îles, toutes les villes qu'il y a sur mon île. Alors, ce tampon, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un chiffre généré aléatoirement avec alphanumérique, opaque, non. Ce token qui est généré, c'est un... Alors là, normalement, là, il écrit JWT, mais comme j'ai changé de style, c'est en blanc, je pense. Mais... c'est pas grave. Ce token, c'est un JWT. Et je suis très content de faire cette conf en français parce qu'en anglais, J c'est J, J c'est J. Donc je m'en fous, je sais pas en anglais, mais là je peux dire JWT. Ce token, c'est en fait, c'est du JSON. C'est un token qui contient des informations, qui contient du payload. Et qu'on va vraiment pouvoir utiliser comme carte d'identité à se faire balader de service en service. Okay, comment se présente ce token? Il y a toujours trois parties. Il y a le header. On s'en fout un petit peu. Ça spécifie juste l'algo qui va être utilisé pour signer notre token. On reviendra là-dessus plus tard. Et le type de token. Ce qui est intéressant, c'est les claims. Donc ça, c'est vraiment le corps de notre token. C'est vraiment le payload. Alors, il y a certains champs comme ex, sub, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont définis par José. José, c'est le... On appelle ça le comité qui spécifie le format des tokens JWT, qu'il spécifie, donc faut pas qu'on les réutilise, et faut pas qu'on les réutilise à des fins personnelles.
faut qu'on les utilise vraiment pour, ce qui, pour la raison pour laquelle ils sont là. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut rajouter aussi dans le corps n'importe quel payload custom. Donc, je ne sais pas, si on veut rajouter le numéro d'employé de notre entreprise, on peut le mettre ici dans le corps. OK? Et une fois qu'on a ça, KeyClock, lui, il possède une paire de clés privées publiques. Il va prendre sa clé privée et il va signer le token. Il va le signer. Et notre token va se transformer en GWS pour dire qu'il est signé. OK? Et pourquoi il le signe? C'est pour être sûr que les services qui vont le recevoir puissent vérifier que ce token est authentique et n'a pas été modifié. Avant d'envoyer, bien sûr, il va nous compresser ça, enfin compresser, il va nous transformer ça en base 64, parce que quand on est en HTTP, on veut passer ça en header, on ne va pas passer ça en JSON. On compresse ça en base 64. Et là, on retrouve bien les trois parties, donc le header, les claims et la signature sont séparés par des points. Okay? Et en gros, c'est ça qu'on va passer quand on fait les requêtes. Alors, comment on obtient un token? Alors là, je vous donne un peu les détails. Encore une fois que vous avez utilisé KeyClock, c'est bien de savoir, mais vous n'avez pas vraiment à vous en soucier. KeyClock expose un point d'accès REST où on peut obtenir un token. Généralement, comment on obtient un token? C'est en général, comme je vous ai dit, vous arrivez sur votre île AngularLand, donc une web app. La web app a une librairie KeyClock.js qui va vous faire le redirect, qui va vous faire entrer les noms d'utilisateurs, le mot de passe, et de cette manière, vous allez obtenir un token. OK? Il y a différentes façons, les services à quoi? Non, c'est un peu chiant. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, une fois qu'on s'est authentifié, KeyClock va nous retourner pas un token, mais trois tokens. Le ID token. Donc, le ID token, c'est un token. Les trois, c'est des GWTF, des JWT. Le ID token qui est vraiment notre carte d'identité, qui en général restera côté client, donc de celui qui a demandé le token, donc en général la web app, qui est un peu notre carte d'identité. Donc si on a besoin d'afficher le nom de l'utilisateur, un avatar, tout ça, on va utiliser ce token. À un moment donné, on va sûrement appeler des services back-end, des microservices ou des services REST. Dans ce cas-là, on va utiliser un access token. Ce access token, on va l'envoyer à un service REST et le service REST il va pouvoir vérifier que ce token est valide. Et si c'est bon, il va processer la requête et nous renvoyer la réponse. Par défaut, l'access token a une durée de vie très limitée. Donc, KeyClock, par défaut, je crois qu'elle est de 5 minutes. Donc, au bout de 5 minutes, le token n'est plus valide. Donc, comment faire pour rafraîchir ce token? L'appli qui a demandé les tokens dispose aussi d'un refresh token. Il va pouvoir utiliser ce refresh token pour demander à KeyClock, ben, redonne-moi un nouveau access token tout frais. OK? Donc là, c'est un peu le résumé de mon slide marrant, mais encore une fois, un peu chiant. L'utilisateur, il va sur le navigateur. Il veut aller sur son application. L'application va le rediriger vers KeyClock. Il s'enregistre sur KeyClock, nom d'utilisateur, mot de passe. L'application retourne un code d'autorisation à l'application. Et avec ce code d'autorisation, on peut dire oui, c'est vraiment moi. Et à ce moment-là, on retourne l'ID token. Vous savez quoi? On va passer à la démo. Parce que d'habitude, je ne fais pas autant de slides, mais hop, je vais passer en mode Charlie Oleg. Je bois un coup. Et on va découvrir ensemble comment, vraiment, si vous découvrez KeyClock, comment commencer, déployer KeyClock, créer une application et la sécuriser, OK? Alors, c'est bon, vous m'entendez là? Ouais?
Charlie. Alors, comment on commence à Keycloak? Alors, on va voir si j'ai encore de la connexion. Tout simplement en allant sur keycloak.org. Et là, on a download. Et il suffit de prendre la dernière version du serveur. C'est un zip. On dézip et on démarre. Donc là, je vous épargne le download parce que c'est pas super passionnant à regarder. J'en ai downloadé un ce matin, je crois, ou hier soir. Et je l'ai, je crois, ici, j'ai créé un folder. Je l'ai déployé ici. Ah oui, alors, j'ai un chaton à la maison qui vient de me casser la touche espace. Où j'appuie très fort sur la touche espace. Je suis désolé, c'est la faute du chat. Alors, une fois que j'ai déployé, je vais tout simplement... Ah ouais, ça va être super chat. Hop. Et là, je démarre mon application. Et je vais, vu que je vais démarrer pas mal d'autres applis, je lui donne un offset. Sinon, il démarre sur le port 80-80. Là, je lui donne un offset de 80 pour de 100, pardon, pour qu'il démarre sur 81-80. Comme ça, après, quand on va créer nos applis, ce sera pas au mieux. Donc, Keycloak. Keycloak, c'est basé sur Wi-Fi. En fait, il utilise Wi-Fi comme cœur et c'est une surcouche de Wi-Fi. Mais en avant-première, je peux vous dire que ça va changer là. On est en train de quarkusifier Keycloak Server et on espère qu'en décembre, on aura une première version. Si vous ne connaissez pas Quarkus, vous allez voir, vous allez en bouffer tout ça. Alors, mon Keycloak est démarré, donc je vais aller sur mon serveur Keycloak, c'est 8080/hot. Voilà. Donc là, c'est ma console Keycloak. Et comme c'est la première fois que je me connecte, il faut que je crée un utilisateur admin. Un peu le super admin. Donc on va créer un super truc sécurisé admin. Admin. Très sécurisé. Je vous donne un peu des bonnes pratiques ce soir. Et on va pouvoir maintenant accéder à notre console. Alors, vous allez souvent voir ça. Ça, c'est un bug que j'ai sur Chrome. Ça va être une extension que j'ai. Chaque fois que j'ai un login, il fait « This is not a login form ». Alors que c'est un login form. C'est vraiment un peu fou, mais... Alors, admin, admin, OK. Donc, voilà. J'ai déployé mon Keycloak tout frais. Je le démarre. J'accède à la console. C'est ce que je vois. Donc là, c'est là où je vais pouvoir gérer mes royaumes, mes realms, mes utilisateurs, mes rôles, mes clients. Comme on voit ici, clients. Alors, pour qu'on soit d'accord, qu'est-ce que c'est qu'un client pour Keycloak? Pour Keycloak, un client, c'est n'importe quelle app qu'on va sécuriser. Ça peut être une app front-end, une app back-end. Pour Keycloak, c'est un client. OK? Et pour commencer, on va... Alors là, on est sur le royaume master. Mais on va se créer notre propre royaume pour ce soir. Et on va l'appeler Paris Jug. OK? Donc là, j'ai mon royaume. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer un client. Donc là, je vais créer une appli toute simple. Une appli server-side. Vous allez voir, c'est une méga appli qui renvoie des produits. Et on va l'appeler. Donc on crée un nouveau client. On va l'appeler le product. Le Product App, l'appli que tout le monde veut essayer. Le protocole, par défaut, comme je vous ai dit, on propose du OpenID Connect. Si vous voulez faire du XAML et que vous êtes un peu maso, vous pouvez passer en XAML. Mais on va rester en OpenID Connect. Et on va dire là où elle tournera sur le port 8080. OK? Donc, je save. Et là, dans ce cas-là, je peux pignoler plein de choses. Pour ce qu'on veut faire ici, tous les defaults sont corrects, on peut rester comme ça, on n'a rien d'autre à faire. Donc la deuxième chose qu'on va faire, on va créer un rôle dans notre royaume. Et on va créer un rôle qui s'appelle user. User, voilà, très bien. Et la dernière chose qu'on doit faire, c'est créer un utilisateur. Ok, donc on va créer un nouvel utilisateur et on va l'appeler Sebi. Alors, c'est, le username, c'est le seul champ obligatoire. Donc là, vous pouvez remplir tout ce que vous voulez.
Mais là, on va juste se cantonner au username, c'est bien. Par défaut, mon utilisateur, quand je le crée, n'a pas de credentials, donc il n'a pas de mot de passe, il n'a rien du tout. Donc il va falloir que je lui affecte des credentials. Donc là, pareil, un mot de passe super compliqué, c'est bien. Et là, si je veux, je peux laisser ça, mais je vais l'enlever pour la démo. Si je le laisse, la première fois qu'on se log, il va falloir changer le mot de passe, ok? Et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer, mais bien sûr, pour les mots de passe, on peut appliquer des règles. Ne pas utiliser le même mot de passe, avoir tant de caractères. On peut régler, définir toutes les règles qu'on veut. Là, on va rester simple. Hop, change password. Et la dernière chose que je veux faire, c'est le role user que j'ai créé auparavant. Je veux l'affecter, l'assigner à mon utilisateur CV. Hop, voilà. Donc là, mon Keycloak, il est prêt. Maintenant, il faut que je crée l'appli de Product App. Ok, donc on va faire ça avec ma touche. Oh là là. Oh là là. Bon, on va essayer. Alors, comme je suis très bon joueur, on va faire une appli Spring Boot. C'est cool, non? Je suis un mec de Radat et je joue. Et on va passer pratiquement une demi-heure sur une appli Spring Boot. Non, parce que qui c'est qui fait du Spring Boot ici? Voilà, c'est pour ça que je fais une démo de Spring Boot. Justement, on va voir autre chose. Ok, donc on va créer une appli toute simple en Spring Boot. Je bois un petit coup. Mais c'est que la première, hein, vous inquiétez pas. Alors, et quand on crée une appli Spring Boot, c'est où qu'on commence? Ok, très bien. Alors, on va. Je vais grandir un peu parce qu'au fond, vous ne devez pas avoir autre chose. Hein. Alors, on va se faire le package, le groupe org.cbi. On va l'appeler le product app. Et on va faire quoi? Ben, c'est une appli web, donc on veut du web. Et comme c'est, on va faire une appli un peu à l'ancienne server side, donc avec des pages générées côté serveur, on veut un petit outil de templating. On va faire ça avec du free marker. Voilà. Fut un temps, on tapait Keycloak, il y avait Keycloak qui apparaissait là. Mais il y a des gens de Pivotal ici. C'est filmé, ouais. Non, ouais. Ils ont enlevé Keycloak de. C'est pas très grave. Tu penses que dans Advance, ça apparaît? Dans Advance, il apparaît, tu penses? Non, je crois que moi j'ai discuté avec le mec qui gère le site, il m'a dit on l'enlève. Moi j'ai assisté à une presse de Stéphane Nicolas qui disait qu'ils avaient fait. Et qu'en fait, ils avaient dit aux gens qui étaient dedans bah, de revenir pour leur dire bah, rajoutez-nous. C'est Stéphane Nicolas qui m'a dit on l'enlève parce que. Okay. Il faut, alors c'est un peu de notre faute aussi, parce que chaque fois qu'on a une nouvelle version, il faut faire une PR sur le site ici pour mettre à jour et tout. Et c'est vrai que on a été pas super... Mais bon, c'est pas un problème, vous allez voir. Le starter existe encore, il est juste pas dispo sur le site. Et en vrai, qui c'est qui fait des vraies applis en prod en passant par start.spring.io? C'est juste pour les démos et pour Josh Long. Enfin. Alors... La prod, c'est qu'une démo qui a réussi. Voilà, tout à fait. Donc, je crois qu'on est bon, là. Spring Web, il me l'a rajouté, Spring Marker. Parfait. OK, Generate. Ah oui, non, non, attendez. Alors ça, leur nouvelle version ne marche pas sur... Attends. Voilà. Alors, je me suis fait avoir. Je ne sais pas pourquoi leur version ne marche pas sur mon Chrome. Oh, c'est pivotal, en fait. Hein. Il faudra faire des coupes dans la vidéo. Product App Web Free Marker. Voilà. Et là, je fais Generate. Et là, ah voilà. Là, il me propose. Alors que sur Chrome, vous avez vu. Que chill. Product App. Ok. Donc là, il me l'a pris, Product App 1, très bien, parce que je l'ai déjà créé. Et on va l'ouvrir sur IntelliJ. Alors, on va l'ouvrir ici, Open un new projet, Product. Alors, c'est dans le Downloads, normalement. J'ai les dézippés.
Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dissipé en fait. Non ? Je ne l'ai pas dissipé, pardon. Hop, ne regardez pas mes downloads. C'est toujours un peu la honte. Extract, hop. On y retourne. Et là, je retourne dans le downloads. Non, pardon. Hop, open. Downloads. Product app 1. Alors, ouais, ça, j'ai l'impression que c'est la version que je vous ai fait. Est-ce que c'est celle-là? Attendez, juste, j'ai pas envie de spoiler mon truc. Archive messager. Je vais juste 18h09. Non, ça me semble pas ça. Hop, on supprime. Je rename ça. D'habitude, je nettoie tout, mais là, c'est tellement long de venir enlever tout juste ici. Et j'ai pas eu le temps de tout nettoyer. Ah oui, il existe déjà. Allez, un, voilà. Extracte-moi ça dans... Ah oui, attendez. J'écris un truc qui s'appelle PyJug. Voilà. Ça, c'est ça que je voulais faire. Pardon. Hop, on retourne ici. Tac. On va dans Paris. Il est là. Product app. OK. Une nouvelle fenêtre. Ouais. Ok, donc. Pav, t'as fait this window. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as dit nouvelle fenêtre, mais t'as fait this window. Ah, j'ai fait this window, ok, donc j'ai pas de backup si je merde. Donc, ouais, mais c'est pas grave. Donc là, je vais pas vous expliquer comment ça marche Spring Boot. On va créer une appli toute simple qui aura deux pages, une landing page, une page publique, et une page qui va nous renvoyer des produits, ok? Donc on va d'abord créer l'appli et après on va la sécuriser. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer notre page d'accueil. Donc, là, on va l'appeler index.html. OK. Ah oui, excusez-moi. Alors, j'ai un petit bug sur IntelliJ. Ah non, ça y est. J'ai IntelliJ qui lag un petit peu. Mais ça devrait aller. Alors, this is my... C'est pénible avec cette touche. Vous savez quoi? Hop, la touche espace. Voilà. This is my landing page. Landing. Ça fait drôle sans touche espace, mais ça va le faire. Ok. Et dans le body, il y aura juste un lien. Vous voyez rien là. Dans le body, il y aura juste un lien qui pointe vers mes produits. Product. Ok. Et là, on l'appelle My Products. Ok. Voilà, pour ma landing page, ça m'a l'air pas mal. Oui, on va se rajouter un petit H1 quand même. Moi, je suis un mec qui attache beaucoup d'importance au web design. Ouais. On voit ça. Effectivement. Landing. Page. OK. Et je ne sais pas taper en plus. Hop, landing. Page. Save. OK. Donc ça, c'est ma landing page. Et maintenant, on va créer ma page produit. Donc, pour ça, on va créer un template. Et je vous ai dit, on va faire ça avec FreeMarker, donc on va l'appeler products.ftl pour un template. OK. Là, c'est un template. Hop, vous voyez que je tape super vite. Bah, alors, j'avoue, j'utilise un peu des templates pour aller un peu plus vite parce que ce n'est pas du code super passionnant. HTML, très bien. Le body. Un petit H1. My products. Et là, on va lister mes produits. OK. Et pour ça, je crois que j'ai un petit template pour ça aussi. Non, pas du tout. Alors, body, tata. Comment je l'ai appelé ce template? Ah, voilà. Donc, vous voyez,
Là, je vais juste lister mes produits, ok? Et il y aura une dernière chose, hop, un BR pour faire joli. Alors, moi, je suis à l'ancienne. Oula, pas trop. Tac. Et mon appli, j'ai envie aussi de pouvoir me déloguer, ok? Et on appelle ça logout. Ok, donc ma partie page est finie. Maintenant, il faut que je code l'appli. Bon, ça va aller assez vite, hein, c'est assez simple. Donc, il me faut quoi? Il me faut un contrôleur. Donc, classe myProductController. Ok, il faut que je la note, sinon ça ne va pas trop marcher. Contrôleur, ok. Là, il faut que j'expose donc, le point d'accès à mes produits. Donc, on va faire un get mapping sur products. Faut que je me détende un peu parce que je tape n'importe comment. Products, et ça va renvoyer quoi? Ça va renvoyer le nom de mon template que je veux générer. Il me remet title là. Et c'est get products. Ok. Qu'est-ce que j'injecte là-dedans? Mon modèle. Parce que je fais du Spring MVC. Donc c'est ici. Hein, modèle, ouais. Tac. Et modèle. Ok. Et dans mon modèle, je mets quoi? Je mets mes produits. Donc on va appeler ça products. Et pour l'instant, on va rajouter les produits en... on va faire une liste hard-codée, ok? Donc, iPhone, iPod, pourquoi pas, hop. Et je retourne. Ça rend fou, ça touche l'espace. Désolé. Hop. Et on retourne le nom de mon template que j'ai créé, donc products, ok? Voilà, et qu'est-ce que je dois créer? Ah oui, mon logout. Mon logout. Donc mon logout, assez simple, logout. Et là, c'est public. String, pareil. Logout. Là, j'ai besoin de ma HTTP servlet request. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement faire... Hop, faut que je la nomme quand même. Parce que là, je vais pouvoir tout simplement faire request.logout. Donc, tous les adaptateurs KeyClock qui viennent essayent de s'intégrer au max avec les frameworks avec lesquels ils utilisent. Et je veux retourner à ma page d'accueil. Donc, je... Ah, title, il rend fou. Hein. Return, tac. Ok. Voilà. Lui, il est rouge, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, alors, je vous montre une autre très bonne pratique. Voilà. Ok? On est au même moment de joke là, donc. Je suis désolé. Alors, il me faut rajouter le starter qui clope, parce qu'ils nous l'ont enlevé du starter. Donc je vais le rajouter à la main. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais là, je fais ça, je fais tac, et là, je fais org.keyclock, et là, il devrait me proposer. Attends, on va faire enable. Hop, et là, il devrait me proposer le starter. Tac, keyclock Spring Boot starter. Voilà, version 6, 1, très bien. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la 7. C'est peut-être pour ça qu'ils nous ont enlevé du site. Ok. Et juste pour voir si notre appli elle marche, on va la démarrer, mais il faut juste que je dise que pour l'instant, je n'ai pas envie d'avoir du keyclock. Je ne l'active pas. Ok. Donc, je mets sur false et je démarre mon appli. On y va. Allez, voilà, une seconde, pas mal.
On va sur localhost.8080. Ma superbe landing page. Vous avez un peu mes talents de CSS. Et on va sur mes produits. Et là, on a mes produits. Très bien. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est sécuriser cette page-là. OK. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de changer le code. On a juste quelques propriétés à rajouter. Donc, on va activer KeyClock. Là, on va lui dire KeyClock. Tout d'abord, on va lui dire où tourne mon KeyClock. Il a besoin de savoir où tourne mon KeyClock pour pouvoir récupérer les clés publiques et tout ça. Donc, il tourne sur localhost8180/hot. OK. Après, je dois lui dire sur quel royaume l'appli tourne. Donc, c'est sur le royaume Paris Jug. Après, je dois lui dire le nom du client, donc le nom de la ressource pour lui. On l'a appelé Product App. Je dois lui dire si c'est un client public. Oui, c'est un client public. OK. Donc, ça c'est tout ce qui est obligatoire en config. Mais là, je n'ai défini aucune contrainte de sécurité. KeyClock, il ne sait pas si on va sur slash product qui doit initier le login et tout ça. Donc, comme on faisait à l'ancienne dans les applis Java E, on faisait dans le serveur.xml, on créait nos security constraints. Là, on fait exactement la même chose. On va sécuriser notre conteneur de servlet, en fait, qui est bâti avec ce qu'on goûte. Et pour ça, je crois que j'ai un qui ici. Alors là, je suis 2 secondes. Au lieu de taper ça, on va regarder mon live template. Live template. Alors, live template clock KSEC. OK. Hop, vous allez voir que je tape super vite là aussi. Paf! Alors, là, c'est très simple. Je définis une contrainte de sécurité. Je dis, toutes les requêtes qui vont venir sur product, l'utilisateur doit être authentifié. Et l'utilisateur devra avoir le rôle user. OK ? C'est tout ce que j'ai à faire. Et je vais redémarrer mon appli. Toc. Ça y est, alors, elle est déployée. Je fais un petit refresh des familles. Allez. Et là, normalement, si je vais sur My Products et que les démogods sont avec moi, et lui, il veille à ça. Voilà. Je suis redirigé sur KeyClock, sur mon royaume Paris Jug, où je dois me loguer. Et on a encore ce superbe truc qui rend te fou, hein, quand même. Et là, on va pouvoir utiliser donc l'utilisateur que j'avais créé, Sebi. Sebi. Je me log. Et je suis sur ma page protégée. Pour vous montrer que je ne mens pas, si je vais sur Firefox, normalement que je colle ça, voilà, il va me renvoyer. Elle est vraiment protégée, cette page. OK ? Et je peux faire un logout. Et si je fais un logout et que je reviens, il faut que je me log à nouveau. OK ? Tac, 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 tac. OK. Donc maintenant, on va s'amuser un petit peu avec. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez. C'est Spring Boot. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est Spring Boot. Bien sûr. OK. On va s'amuser un peu avec cette page. Donc on va revenir sur notre console, le KeyClock. On va revenir sur mon royaume, sur la page d'accueil de mon royaume. Alors là, on peut gérer plein de choses. Moi, j'ai envie d'un peu m'amuser avec la page de login. Donc, je voudrais que des nouveaux utilisateurs puissent s'enregistrer. OK. Bon, la plupart des utilisateurs vont oublier leur mot de passe. Évidemment. Évidemment. Là, je l'active. Je vous montre l'écran, mais vous le voyez. Dans ce cas-là, il faut aller dans Email et configurer votre serveur d'email. Et KeyClock se chargera d'envoyer des emails de reset et tout ça. J'ai pas envie de me loguer à nouveau et à nouveau. OK. Et je fais ça.
je save, je retourne là, et normalement, si je rafraîchis, voilà, maintenant je peux faire du remember me, forgot password, j'allais dire, pour dire, nouvel utilisateur, je peux m'enregistrer en tant que nouvel utilisateur. Ok ? Bien sûr, tout ce que je vous montre là, on n'aura pas le temps de le voir ce soir, le look and feel, les pages, tout ça, c'est basé sur des thèmes, évidemment, là c'est le thème par défaut. Vous pouvez créer vos propres thèmes, c'est basé sur des templates FreeMarker d'ailleurs, que vous pouvez packager facilement, que vous déployez dans votre serveur QClub et vous pouvez avoir le look and feel de votre entreprise. Okay. Il aura quel rôle le nouveau qu'on va enregistrer, il aura quel rôle? Alors, ça c'est une bonne question. Alors, dans l'état actuel, si j'enregistre un nouveau utilisateur, il n'aura aucun rôle. C'est pas mal. Parce que je voulais le montrer après, mais regarde, je vais le montrer direct derrière. Dans role, le role, on a quelque chose qui s'appelle default roles. Et si on veut, on fait ça. Et chaque utilisateur que je vais créer aura par défaut le role user. D'accord. Okay. Donc, on est à combien? J'ai de la marge pour la première session. Combien? 5 minutes. 5 minutes. Waouh! Ok, c'est pas grave. Après, j'aurai un peu plus. Ah, tu peux les parler. T'inquiète. Ok. Vous voulez sûrement utiliser des. Vos utilisateurs, ils veulent sûrement utiliser leur compte Twitter, leur compte GitHub, Google, pour pouvoir s'authentifier. Alors, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué du tout. Je peux vous en montrer un. On va faire Twitter au hasard. Là, je mets juste des chiffres au hasard. Et après, on va en faire un vrai. Normalement, toc, 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 je fais save. Et je retourne sur mon appli. Je retourne en arrière. Maintenant, je peux me connecter avec mon compte Twitter. OK ? Bon, là, j'ai mis des chiffres bidons, donc ça ne va pas marcher. On va s'en faire un vrai. OK ? Donc, je vais aller sur mon compte, je vais aller sur mon compte GitHub. On va créer une nouvelle appli. Donc, je crois que c'est dans Developer Settings, OWASP App. Là, vous pouvez voir, j'avais déjà fait mon essai Paris Jug, mais on va en créer un autre. On va l'appeler Live Jug. Ma home page, c'est local. Localhost 8080, ok. Description awesome app, ok. Et là, il me faut un callback, ok. Donc, on va revenir sur notre console ici et on va se dire, ben, je veux rajouter un. Lui, on va l'enlever, ok. Et on va dire, on veut rajouter du GitHub. Très bien. Donc là, il me donne déjà l'URL que je dois utiliser sur ma console ici. Donc, je fais. Je colle ça, je fais un register. Ah oui, pardon. HTTP. HTTP. Oh, il pourrait le savoir quand même. J'enregistre mon appli, très bien. Ça ne sert à rien de recopier là avec vos téléphones, je la diliterai après. Hop. Et là, je mets ça. Et je mets ça. Ok. Et c'est tout ce que j'ai besoin. Et je fais un petit save. Ok. Je retourne sur mon appli. Donc maintenant, je devrais pouvoir me loguer avec GitHub. Donc là, je clique sur GitHub. Ah ! Et là, il me reconnaît que je suis connecté. Là, il me demande le consentement. Est-ce que tu autorises l'application Product App à utiliser vos credentials ? Oui, j'autorise Sébastien Blanc. J'autorise Sébastien. J'ai cliqué là. Waiting for. Voilà. Et je suis logué avec mon compte GitHub. Ok. Et vous avez vu, ça a pris 5 minutes. Et si je vais dans mes utilisateurs, maintenant, je devrais avoir un utilisateur Sébastien Blanc. Et si on va dans les roles, role mappings, j'ai user. Donc si j'avais pas fait ce que tu m'avais demandé, là, ça aurait bloqué parce que j'aurais eu une 403. Pour dire, tu es authentifié, mais tu n'as pas le rôle pour accéder à ça.
Une minute, après on fait une pause. Ouais, très bien. Alors. Bon, bah, le connecteur rejoint le clavier. Je suis désolé. Ça craint un peu. Dernier truc. Après, on passera à. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment on va sécuriser plusieurs services qui s'enchaînent en fait. Là, on est resté sur une appli old school. My product. Très bien, je ne suis pas logué. Imaginez que vous voulez du second factor, de l'authentification à deux facteurs. Okay, ça, c'est assez populaire. Ça peut sembler assez compliqué. Avec GitLab, c'est l'histoire de dire OTP required. Ok. Je retourne dans mon appli. On va se reloguer avec CBI. Ah! Et là, il me dit, vous avez besoin de deux facteurs. Et comme c'est la première fois, alors on va le faire en live. Hein. Alors là, j'utilise Google Hot. Il y avait une appli de Red Hat aussi, Free OTP. Ouais. Elle marche aussi. Authenticator, voilà. Et je vais scanner mon code, scanner le code barre. Hop. Très bien. Et là, alors, Paris Jug, voilà. Je ne vais pas mettre le code Fortnite de mon fils. 045. Voilà, là vous le voyez, mais bon. Et je suis logué. Donc j'ai du second facteur en l'espace de 3 clics. Ok ? Ça, c'était pour vous donner une petite idée de ce qui est possible avec KeyClock. Et si vous voulez, dans la session suivante, je vous fais un petit teaser de ce qu'on va faire après. Au lieu de faire ça, là, retourner une liste hardcodée, on va créer un service REST. Wow. Qui délivre ses produits. Et on va voir comment cette appli-là peut appeler de façon sécurisée notre appli REST. Et cette appli REST, elle-même, elle appellera un autre service REST pour avoir un produit premium. Et on va voir tout ça ensemble après la pause.